Good morning, Aleidan, et c'est aujourd'hui le lundi matin, maman de Rabbin Yitzhak Vefani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions aussi à Divamot. Perek He, Mishnah Gimel. Nathan Get Vasa Ma'amar, Tzricha Get Vechalitza. Nathan Get O Baal, Tzricha Get Vechalitza. Nathan Get Vechalatz, En Acha Chalitza Klum. Chalatz, Vasa Ma'amar, Nathan Get O Baal, O Baal, Vasa Ma'amar, Nathan Get Vechalatz, En Acha Chalitza Klum. Achat Yevama, Leva Yavam Echad, Vachat Shta Yevamot, Le Yavam Echad. Je vous ai déjà expliqué depuis la première Mishnah que dans ce chapitre, on va manipuler les notions de Yiboum, Khalitza, Kidushé Mahamar et Get le Mahamar sous plusieurs formes. À chaque fois, plus on va avancer dans les Mishnahot, plus on va compliquer la situation. Mais après préparation de quelques cours et tout ça, finalement, je réalise que c'était pas la fin du monde. Quand j'ai étudié la Gemara, ça me paraissait une montagne, ça me paraissait presque flou, presque incompréhensible. Finalement, Baruch HaShem, pour le moment, tout se passe très bien. Et tant mieux pour moi, tant mieux pour vous. Donc maintenant, je rappelle maintenant les quelques notions. J'espère que ça commence à être assimilé. Comme ça, on va pouvoir aller de plus en plus vite et compliquer sans s'embrouiller. Il y a tout d'abord Minatora. Lorsqu'il y a une Yevama devant moi, je dois lui faire soit le Yiboum, soit la Khalitza. Soit je la prends en femme, je fais le Yiboum. Dès que je fais le Yiboum, ça devient ma femme à part entière. Ça signifie que si je la divorce ensuite, je lui donne un guet. Je fais plus de Khalitza. Ou soit je décide de lui faire la Khalitza, et dans ce cas-là, je la rejette, et ça y est, comme ça je la libère, elle pourra aller se marier avec qui le veut. Dès lors, ce sera interdit pour moi de me marier avec elle. On précisera quand même une petite notion dans une Mishnah, à savoir si finalement je décide de me marier avec elle, qu'est-ce que je transgresse comme interdit. Je vous le dis tout de suite, on l'a déjà vu. Une marloquette concrètement, il y a un interdit de lave. Il y a un lave. Que tu ne, puisque tu n'as pas voulu construire, tu ne pourras plus jamais construire, tu ne pourras plus te marier avec elle. Si tu transgresses le lave, alors d'après Ramim, ça devient un interdit lavim. Comme de tous les sourds lavim, que si tu te maries avec elle, ben, il y a un issour, mais l'enfant, il n'est pas invalidé. Tandis que d'après Rabbi Akiva, les kidushi ne marchent plus avec elle, parce que dès qu'il y a un interdit de lave, d'après Rabbi Akiva, un lota assez, eh bien, si on se marie avec elle, on aura un enfant mamzer, chazu shalom. Et les kiddushin ne fonctionnent même pas. D'accord, je referme la parenthèse et je reprends le vif du sujet. La femme, elle est devant moi. Je peux lui faire soit le yiboum, c'est-à-dire ma femme, soit Khalitza, et ça, je la rejette et c'est plus ma femme. Si je lui donne des kiddushin, selon la Torah, ça ne fonctionne pas. Si je lui donne un guet, selon la Torah, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Tu peux donner un guet à un chien ou à ta voisine qui est déjà mariée. Ça ne sert à rien non plus. Elle ne va pas devenir divorcée à cause de ça, puisque ce n'était pas ta femme. Ok. Donc, maintenant, Chachamim sont venus, ils ont dit non, malgré tout, on va créer un nouveau système à l'intérieur de ce lien original de femme qui est à moitié ma femme, puisque la Yevama elle ressemble à ta femme, on a plusieurs raisons pourquoi elle ressemble un peu à ma femme, parce qu'elle a pas besoin avec quelqu'un d'autre, elle a déjà été mariée par mon frère, et elle reste un petit peu liée à moi. Chachamim m'ont dit, tu sais quoi, vous avez un certain lien marital entre vous, que si je vais lui donner des kiddushin, je vais la rapprocher encore plus. Et si je vais lui donner un guet, je vais l'éloigner un peu plus, mais pas complètement, parce que selon la Torah, il faut le faire soit Yiboum, soit Khalitza. Et on va se retrouver dans des situations très originales en fait. On a déjà vu ça plus dans les détails dans la Mishnah Bet, maintenant dans la Mishnah Gimel ça va être encore plus violent. Ou on va se retrouver dans une situation où finalement tu l'as rapproché un peu, finalement tu veux la. Ouais, tu l'as donné des Kiddushé Mahamar, donc elle était déjà Yevama. T'as pas encore fait le Yiboum, tu l'as donné des Kiddushé Mahamar, c'est ça la Mishnah précédente. Comment on fait si finalement tu regrettes et tu veux la libérer? Comment est-ce que tu dois faire? Rami vont nous dire, bah, tu sais quoi, deux minutes, et regarde. Ce lien original-là, il est d'une part établi à cause qu'elle est Zkouka le Yiboum, elle attend que tu lui fasses le Yiboum, donc il faut lui faire la Khalitza, mais d'un autre côté, si tu lui as rajouté les Kiddushin, ça fait qu'elle est un peu ta femme avec les Kiddushin aussi, il faut que tu lui donnes un guet pour les Kiddushin que tu as rajoutés. Ça, c'est la Mishnah précédente. Maintenant, on va voir la situation contraire. Et à chaque fois qu'on va en évoquer un, on va dire, si tu fais telle action, qu'est-ce qui se passe si après tu fais 1, 2, 3 ou 4? Ça veut dire, dans la Mishnah précédente, on a vu, tu as fait Kiddushé Mahamar, qu'est-ce qui se passe si après tu vas lui donner un guet pour le Mahamar, qu'est-ce qui se passe si tu fais la Khalitza, qu'est-ce qui se passe si après tu fais le Yiboum. À chaque fois, à quel niveau, comment elle sera considérée comme ta femme, pour que si tu dois la libérer, comment tu feras pour la libérer. Ça, c'était le principe général. Puis après, au fur et à mesure qu'on va passer dans les prochaines Mishnayot, on va se mettre à parler maintenant qu'il y a deux Yevamot, après on va dire qu'il y a deux Yevamot avec deux frères, et chacun qui l'a fait une action face à une. C'est tout le chapitre, c'est le principe, d'accord? Si vous avez compris l'idée, j'espère que ça va aller très facilement. Maintenant, on commence notre Mishnah concrètement avec une nouvelle situation.
dans la mission présente, on a vu, si je donne des kiddushé ma'amar, qu'est-ce qui se passe après? Je fais le hiboum, si je lui fais la khalitza, ou si je lui donne un guet. Maintenant, on va voir la situation contraire. J'ai donné un guet, Nathan guet, j'ai commencé à lui donner un guet, donc je lui donnais un guet, j'ai voulu, elle était zkouka le hiboum, elle attendait que je fasse le hiboum, j'ai commencé à l'éloigner de moi en lui donnant le guet. Donc elle n'est pas encore permise pour se marier, parce que sur la Torah, il faut que tu fasses la khalitza. Et finalement, hein, plusieurs situations. Tout d'abord, la première, Véassa Mahamar. Après, j'ai dit non, tu sais quoi, finalement, je veux oui me marier avec elle. Et je lui donne des kidouché Mahamar. Qu'est-ce que je dois lui faire pour ensuite la libérer? Sri Chaget Ve Khalitza. Je dois nécessairement lui donner un get et lui faire une Khalitza. Pourquoi je lui donne un get? Parce que quand tu as donné des kidouchin, tu dois lui donner un deuxième get. C'est-à-dire, en fait, si je parle encore en pourcentage, elle était à moitié ta femme. Lorsque tu lui as donné le get, elle est devenue que ta femme, que au quart. Après, tu leur donnes des kiddushin, tu remplis le nouveau quart, mais ça ne la remet pas dans la même situation initiale qu'elle était. Alors, ça fait que maintenant, elle attend son tzad, son aspect de. Le fait qu'elle est yevama, elle attend que tu lui fasses la khalitza, le fait que tu lui as donné l'argent, le kiddushin mahamar, ça attend que tu lui donnes un get. C'est pour ça que si tu veux finalement les vérifier, il faudra lui donner get et khalitza. Ok? Ensuite, autre situation, Nathan get ou Baal. Il a commencé à lui donner un get. Non, je ne veux pas marier avec elle. Finalement, c'est dit non, je vais quand même me marier avec elle. Il donne plus des kiddushé, Mahamar, il fait rien du tout, il s'isole avec elle. D'un côté, il a fait le hiboum. Selon la Torah, il a fait le hiboum, c'est devenu sa femme à part entière. Mais il y a un problème. C'est que. Alors la Michelle va me dire, c'est Khaget Vechalissa, il faut que tu le fasses. Tu devras lui donner un autre get et lui faire une ça. Tu lui donnes un get parce qu'en réalité, quand tu as fait le hiboum, c'est devenu ta vraie femme. Donc tu dois la libérer en lui donnant un get. Mais pas que. Étant donné que. Tu as déjà commencé à lui faire une demi-khalitza, le premier get que tu lui as donné initialement, ça ressemble à un petit peu une khalitza, tu as commencé à la ressortir. Donc tu n'avais plus le droit de te marier avec elle. Il s'avère que finalement, quand tu vas te remarier avec elle, c'est un peu considéré comme si c'était ta femme, que c'était la Yevama, que tu as déjà fait la khalitza, que tu n'as plus le droit de la reprendre. Là, tu ne l'as pas fait la khalitza, tu lui as juste donné le get, mais tu n'auras plus le droit de la reprendre. Si tu l'as reprise, il faudra que tu refasses malgré tout la khalitza, parce que ce qu'on va considérer que ce que tu l'as reprise, c'est pas. On va considérer que ce que finalement tu te marres avec elle, ça marche plus, c'est plus un bon hiboum. C'est plus un bon hiboum, étant donné que tu l'as déjà fait la khalitza. Donc de ce fait, il va te donner un get à khalitza. Vous avez compris l'idée? Ok, on continue. Nathan get, maintenant, nouvelle situation. Regardez comment c'est structuré. Au début, on a donné le get, et après il a fait le mahamar. Il a donné le get, après il a fait le hiboum. Là maintenant, on a Nathan get, vechalat. Il a donné le get, et puis après, il a fait aussi la khalitza. Et nacha khalitza ploum, ce qu'il a fait, c'est parfait. Il n'y a plus. Tout ce que tu pourras faire ensuite ne marchera plus. Même. C'est parfait, elle est libérée pour le jeu. Toi, tu n'as plus le droit de la reprendre, il n'y a aucun problème. Ok. Ensuite, regardez la structure, comme ça vous aide à bien assimiler les notions. Mishnah Bet, on a parlé de Asa Mahamar, et après Yiben, Bia, Khalatz, Nathan Get. Maintenant, on a parlé de Nathan Get, et après, on commence à parler. Khalat, Ibem, et refaites-le dans l'ordre, Mahamar, Khalat, et après Bia. Et maintenant, on a Khalat, on commence. Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà commencé à faire la Khalitza. Il avait sa Yevama qui était dans lui. Il a donné la Khalitza. Il lui a fait la Khalitza. C'est tout, il l'a libéré. Et finalement, il regrette. Il a ça à Mahamar, il lui donne quand même un Kiddushé à Mahamar. Ou encore Nathan Get, il lui donne un Get. Ou encore Baal. C'est un peu. Ça ne sert plus à rien le guet, mais bon. Ou Baal, ou finalement il décide de la reprendre et de se marier avec elle. Ou bien, encore un autre cas, au Baal, ou bien un cas contraire. Il a commencé à faire le hiboum avec cette femme-là. Et finalement il regrette, j'aurais pas dû me marier avec elle, j'en ai déjà une, c'est déjà un cassement de tête. Hop, je veux la libérer. Ou bien, après il va lui donner un Mahamar, ou Nathan Get, il va lui donner un Get, ou encore Khalat, il va lui faire la Khalitza. Dans toutes ces situations, En Achar Khalitza. Alors c'est une phrase problématique, mais on se rapporte plus sur le dernier cas, on se rapporte sur le cas précédent. Il n'y a plus, après, une fois que tu l'as fait la khalitza, en khalitza kloum. On n'a pas donné à la lacha qui s'y passe quand on a fait la bia, on va revenir dessus. Pour le moment, je reste sur le cas de la khalitza. Dès que tu as fait la khalitza, c'est, tu l'as libéré complètement. Tout ce que tu pourras faire après avec elle ne marchera plus du tout. Ni lui donner des kiddushé mahamar, ça ne servira à rien, ni lui donner un get, et ni même lui faire le hiboum. Non. Pourquoi? Parce que j'ai plus le droit de me marier avec elle depuis le moment où je le fais la Khalitza. Elle est devenue interdite par Issour Lav. Et le Bartanoura nous dit que la Mishnah, elle va selon Rabbi Akiva.
qui me dit qu'une fois que tu as fait la Khalitsa, tu n'as plus le droit de te marier avec elle. Et ça devient... On ne pourra plus jamais la marier, même si on va la marier, le Kiddushin ne marche pas, et l'enfant qui va naître sera un mamzer. En l'occurrence, en nacha Khalitsa, dès que tu as fait la Khalitsa, c'est fini, tu as coupé tous les liens avec elle, je ne peux plus jamais la reprendre. Il n'y a plus rien. D'accord ? Par rapport au hiboum qui n'a pas été évoqué, c'est un peu le même principe. Dès que tu as fait le hiboum, ça devient comme ta femme. Donc, le guet, concrètement, il va fonctionner parce que tu divorces ta femme. Mais si tu veux lui faire la Khalitsa, ça ne sert à rien. Imaginez finalement, après qu'il a fait le hiboum, il se dit j'en ai marre d'elle, je vais lui faire la Khalitsa. Tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun problème, ça reste sa femme à part entière. Parce que si je fais la Khalitsa à ma femme, ça reste ma femme. Ce n'est pas de cette manière que la Torah me dit que tu libères ta femme quand tu es marié. Et idem avec le mamar, ça ne sert plus à rien. Ok ? Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi ? On a parlé. Achat Yevama Achat le Yavam Echad. On a parlé qu'il y avait une Yevama avec un Yavam, et lui, il a fait toutes ses actions. Soit il a commencé donc avec le Mahamar, après Yibem Khalat, Yibem Khalat Sasa Nathan Get, ou soit ainsi de suite, il a donné le Get, et puis hein, et maintenant, ça c'était Achat Yevama Achat le Yavam Echad. Achat Shte Yevamot le Yavam Echad. Et on va donner aussi s'il y avait deux Yevamot qui attendaient qu'on fasse le Yiboum à l'une d'entre elles, avec un seul Yavam Echad. Que s'il y en a un qui va donner un guet et l'autre qui va lui donner le mahamar, l'autre qui va donner le mahamar, alors l'autre le guet, hein, ça on va de nouveau traiter dans cette Mishnah. Regardez, ça va être la Mishnah des lettres qu'on va passer déjà faire demain. On va commencer, Kaitsad, comment se présente le cas, et ainsi de suite. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, Salam.